Ce terme-là vient d'un échange avec Adrienne Tanner. C'est quand même qu'on a préparé le numéro sur l'Autochtone et le pouvoir. Parce qu'en anglais, il y avait le terme aboriginalité. Comment ça se traduit en français? Fait que on en a discuté. Puis ce qui est ressorti, c'est le terme autochtonité ou autochtonéité à l'époque. On avait un E entre les deux. Si tu lis dans le numéro, dans la présentation, c'est autochtonéité. Mais le E n'est pas nécessaire. Donc, par la suite, j'ai dit, bon, je vais garder autochtonité. Donc, simplement, c'est pour avoir l'équivalent en français, le concept français équivalent de l'anglais, aboriginalité. Donc, l'identité aborigène ou l'identité autochtone. Parce qu'ici, il y a confusion ici entre le terme aborigène, parce qu'aborigène, souvent, les anthropologues font référence aux aborigènes australiens. Et dans la littérature non anthropologique, on utilise souvent le terme aborigène, même dans le gouvernemental, pour désigner les autochtones. Mais le terme, je pense, consacré en français, c'est autochtone. Donc, autochtone, pour désigner les personnes, les gens, les groupes, et autochtonité, pour désigner l'identité. Je trouve que ça correspond au génie de la langue française. Mais quand on dit, on traduit aboriginalité ou l'équivalent à l'identité par autochtonie, là, je pense, je ne suis pas grammairien, mais je pense qu'il y a un problème de formulation d'un nouveau terme en français. Parce qu'en français, les termes qui finissent en « i » comme Picardie, Montérégie ou n'importe quoi, Acadie, c'est des termes qui font référence à un territoire, pas une identité. C'est... en tout cas, quand on parle de Québec, on va dire québécité ou québécitude. On ne dira pas québécie. Puis canadien, on ne dira pas la canadianie. Si on le dit, c'est pour faire référence, selon moi, au territoire. Donc, le terme autochtonie fait référence, pour moi, c'est dans mon article, là, dans mon chapitre, dans l'ouvrage sur l'autochtonie, je propose, mais je l'utilisais déjà, le terme autochtonie pour désigner le territoire autochtone. Donc, l'autochtonie, ça existe. C'est le territoire canadien, l'autochtonie québécoise, l'autochtonie. C'est faire référence, selon le génie de la langue française, en bon sens, à un territoire. Et l'autochtonité à l'identité. Donc, mais je encore une fois, comme un peu le terme anthropologie impliqué, ça n'a pas fait de florès, là, ça n'a pas... ça n'a pas poigné, disons, auprès des Français. Ils n'ont pas du tout adopté mon raisonnement et on continue toujours à utiliser le terme autochtonie. Donc, autochtonie pourra désigner à la limite les deux, tu sais, le territoire et l'identité. Mais, alors, moi, c'est deux termes différents qui correspondent à deux réalités différentes, une réalité géographique puis une réalité identitaire. Et dans ce chapitre-là, toujours, je dis que je suis allé sur Internet voir l'occurrence des termes. C'est sûr que c'est la très grande majorité utilise le terme autochtonie. C'est une minorité qui utilise le terme autochtonité, mais je me rends compte au Québec, chez certains, comme Justin Otis et d'autres, là, qui utilisent le terme autochtonité. Hamelin aussi, Louis-Edmond Hamelin aussi, utilise le terme autochtonité et autochtonie, il utilise les deux. Mais des fois, c'est pas trop, c'est pas, ça a l'air ambigu un peu chez lui, autochtonie, autochtonité. Donc, c'est toute la question de l'identité autochtone et l'identité des Inuits, des Atikamekw. C'est quoi leur identité, comme j'essaie de définir dans le texte, les critères identitaires? Ben, le premier critère identitaire, généralement, que tout le monde va donner, c'est la langue. L'identité autochtone, c'est défini par la langue. Mais il y a un gros problème, c'est parce qu'au Canada, il y a à peu près maintenant 50% des Autochtones qui parlent une langue autochtone. Ils parlent l'anglais ou le français. Donc, il y en a qui ne parlent que ça. Il y en a, évidemment, beaucoup qui sont bilingues. Donc, si on dit que c'est le premier critère, ben il y en a beaucoup
qui seraient plus vraiment autochtones, puisqu'ils ne parlent plus de... C'est pas le cas des Inuits. La très grande majorité des Inuits, au moins 80 %. Les Inuits, je vous pourrais dire, c'est pratiquement 100 %. Puis lorsqu'on s'en va dans les communautés éloignées, mais c'est pratiquement 100 % aussi qui parlent une langue autochtone, la langue Inuit. Mais on sait qu'au Québec, il y a des groupes qui ne parlent plus la langue de... leur langue d'origine, leur langue mère. Donc, est-ce que ces gens-là restent autochtones? Bien, il y a d'autres critères. Un autre critère dont je parle beaucoup là-dedans et qui m'est inspiré par les travaux de Sylvie Vincent et José Maillot, c'est toute la question de la relation au territoire, ancestrale, aux ressources, etc. Même si les gens n'y vont plus tellement, ça reste même les jeunes générations, il y a toujours une référence au territoire. Puis comme je disais, il y a toujours l'idéal que la belle vie et la bonne vie, c'est de vivre sur les territoires, vivre de façon nomade, vivre dans la nature, exploiter des ressources du milieu. Et d'être dans un milieu non pollué, un milieu où il n'y a pas des problèmes apportés par les contacts avec les Autochtones, là, comme on s'est dit tout à l'heure. Et évidemment, il y a la question du territoire, la référence au territoire. Puis il y a la question aussi, évidemment, de ce que l'on fait sur le territoire, donc les activités très traditionnelles, la chasse, d'abord la chasse au gros gibier, donc l'identité, c'est la chasse au caribou, idéalement, la chasse à l'orignal plus au sud, parce que le caribou, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus dans les communautés, dans les territoires du sud. Là, les gens chassent plutôt l'orignal, qui a progressivement remplacé le caribou en allant vers le nord. Peut-être même que les Inuits chassent l'orignal maintenant. Je ne sais pas si c'est rendu jusque-là, mais il faut que ça soit un milieu forestier. Mais il y en a à côté du Labrador. Il y en a sur le Labrador maintenant, dans la baie d'Hamilton, etc. Maintenant, on chasse l'orignal aussi. Là. Mais les vieux Inuits, ils disent qu'ils n'aiment pas ça, la viande d'orignal. C'est pas bon. C'est la viande de caribou, donc s'identifie. Évidemment, l'animal identitaire, c'est beaucoup l'animal qui fournissait tout, comme on dit, là, qui fournissait la nourriture, le vêtement, le revêtement des tentes, la babiche pour fabriquer les raquettes, etc. C'était vraiment l'animal là, qui complet, dont on pouvait dépendre, comme les Inuits Naskapi, là, le faisait autrefois le long du Mushuaunipi, où je suis allé il y a 5-6 ans maintenant, et où j'ai découvert des campements, des sites de campements, des vestiges de campements préhistoriques qui datent de milliers d'années. Donc, c'était le lieu de passage du caribou lors des migrations du nord vers le sud, et là où on s'installait en petit campement multifamilial là, tout le long. Mushuaunipi, c'est à 200 km de long, ça fait qu'il y avait de la place sur des lieux élevés, là, des tertres au-dessus du lac. Là. On attendait le caribou, c'est là qu'on chassait par centaines et on faisait des prévisions pour l'année, si possible, en le fumant, en le séchant. Donc, les chasseurs de caribou, c'était principalement les Naskapi. Si on lit dans les archives, dans les documents anciens, il y avait les Indiens plus près de la côte qui ont entré en contact en premier avec les Européens de façon relativement fréquente, ça dure au moins à chaque année. Puis il y avait des Indiens de l'intérieur, de loin à l'intérieur, les Naskapi. Mais en fait, c'était des Inuits, mais des Inuits qui avaient une variante culturelle différente. Eux dépendaient principalement du caribou, alors que plus au sud, on pouvait dépendre de l'orignal, mais très rapidement aussi de la traite des fourrures. Alors que les Naskapi, pendant longtemps, ne faisaient à peu près pas la traite des fourrures. C'est pour ça que la compagnie de la baie du Tson, à un moment donné, voulant accroître la rentabilité de ses postes, surtout quand ils ont créé des postes à l'intérieur, aurait, selon une histoire que j'ai lue là, de la nation Naskapi actuelle, que des chasseurs cris ont été amenés par la compagnie de la baie du Tson, peut-être avec des familles aussi, dans l'interstice entre, disons, l'endroit où est Shefferville aujourd'hui puis la baie d'Ungava. Et ils ont marié, ils se sont unis avec des femmes Inuits ou en Naskapi, mais
Naskapi, chasseur de, Inou, chasseur de caribou. Et de là, par la suite, comme ils étaient associés à Fort Chimo, c'était les voir les Indiens de Chimo, comme on les entendait, même les, j'ai entendu des Inou les appeler comme ça. Il y avait le poste de traite à la baie d'Ungava, Koudjouak, aujourd'hui. Et lorsque Schefferville s'est créé, il y a le gouvernement les a un peu convaincus, poussés en disant aller vers Schefferville, parce qu'il y aurait là des emplois pour eux. Et bon, quand ils sont arrivés à Schefferville, ils ont vécu côte à côte dans des campements temporaires de fortune avant qu'ils construisent des réserves. Les réserves, ça date des années 64, là, je pense, autour de 70, la réserve où autrefois il y avait les Inuits et les Naskapi, nouveaux Naskapi, je dirais, vivant ensemble. Mais finalement, avec la convention d'Abbé James, c'est la convention complémentaire avec les Naskapi, ben, ils ont construit la Kawawa-Chicamache, là, je ne sais pas, une 12-15 km de Schefferville. Donc, ben, la création, ben, je dirais, à ce moment-là, je pense que la création de cette réserve-là sanctionne l'existence d'une nouvelle nation qui s'appelle Naskapi, mais qui ne correspond pas exactement aux Naskapi d'autrefois, qui étaient des montagnais, chasseurs, essentiellement chasseurs de caribous, là, qui vivaient loin à l'intérieur, qui ne venaient pas souvent à la côte, et qui étaient habillés différemment, les autres encore avec des peaux de caribous, des fourrures, alors que les autres à la côte, les autres avaient des tissus, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle, nous autres, les gens des colonies. Je ne sais pas, évidemment, si tu connais cette expression-là, mais quand on était jeune, on allait à Gaspésie, puis il y avait les villages le long de la côte, pêcheurs, un peu agriculteurs, puis il y avait les nouveaux villages qui avaient été créés dans les années 30, pendant la crise, le plan de vos trains de colonisation. Et puis, on les appelait les colons, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la même culture, ils étaient plus pauvres, ils étaient moins bien habillés, ils vivotaient sur leur terre. Ben, après l'avoir souvent coupé des arbres, vendu le bois, défriché, ils vivaient difficilement. D'ailleurs, bon, on sait que ces villages-là, la plupart ont été fermés par la suite, parce qu'ils étaient considérés comme non rentables. Donc, puis beaucoup de gens étaient partis après la crise, étaient partis retourner en ville, donc plusieurs, la plupart venaient derrière. Donc, un peu des Naskapi pour les montagnais plus près de la côte, ceux qui faisaient la traite des fourrures de façon régulière, c'était les Naskapi, c'était comme les colons, les gens éloignés, dans des donc pas très riches, mal habillés, et ainsi de suite. Donc, bon, il y en a qui appellent ça une ethnogenèse, là. C'est un terme à la mode chez les historiens en particulier. Bon, la création d'une nouvelle identité, d'un nouveau groupe ethnique. Pas totalement dissocié avec les Inuits, mais c'était comme la fusion à la fois de cris, d'ancêtres cris et d'ancêtres Inuits. Donc, ben, ça m'amène aussi à parler de... Bon, d'un dossier d'une recherche que je fais depuis une dizaine d'années maintenant, ou un peu plus, sur les métis disons, euro-inuits, là. Mais c'est pas juste euro-inuit, parce qu'il y a aussi un métissage amérindien, mais le dossier sur lequel j'ai travaillé, c'est relié à une revendication de droit de métis, là, depuis le jugement parlé, qui date, je sais pas, 2002, je crois, en tout cas, autour de ces années-là. Il y a eu une floraison, une multiplication, là, des revendications identitaires de la part de groupes dont on sait que dans l'histoire, à un moment donné, les gens ont des ancêtres inuits d'une part, ou inuits, montagnais, ou bien d'autres d'autre part, parce que c'est à travers le Canada, évidemment. La notion de métis est d'abord associée au territoire du Nord-Ouest, au Nord-Ouest du Canada, bon, au métissage qui a eu lieu entre les portageurs ou les coureurs des bois, là, qui allaient faire la traite des fourrures ou qui transportaient la marchandise pour la traite des fourrures dans l'Ouest canadien. Bon,
certains de ceux-là disent que la nation métisse, si on peut l'appeler comme ça, c'est uniquement dans l'Ouest et que ça n'existe pas ailleurs. Mais le jugement Parly a ouvert la porte à des revendications de métis partout à travers le Canada. Il y en a probablement des dizaines, je ne sais pas le nombre. Parce que juste au Québec, il y a à peu près 26 associations. Bon, c'était un des comptes qui a été fait il y a un moment donné. Bon, lors d'une communication au Sierra, il y avait quelqu'un qui avait lancé ce nombre-là, 26. Là, mais il s'en crée, il y en a qui disparaissent, ça se fusionne. C'est très mouvant, cette réalité métisse au Québec. Donc, il y a une dizaine d'années, autour de, je pense, à 1905, en 2005, il y a l'Alliance autochtone du Québec qui m'a demandé de faire une étude sur les métis là, d'un village en particulier, une comté en particulier, celle de Saint-Augustin, là, en Basse-Côte-Nord. Pas loin des frontières du Labrador. Parce que j'avais déjà écrit un texte dans l'étude Inuit qui faisait état là, de descendants d'Inuit. à Saint-Augustin en particulier, mais aussi aux villages voisins, les deux villages voisins, Oldfort, Vieux-Fort et Rivière-Saint-Paul. Donc, il y a trois villages là où il y a eu, on peut le démontrer de façon généalogique, quelques ancêtres Inuit qui ont donné naissance ce que par la suite, on pourrait appeler une communauté métisse euro-inuit. Plus récemment, j'ai découvert aussi, puis probablement j'en découvrirai d'autres, il y a aussi eu un métissage avec des Amérindiens, en tout cas à Blanc-Sablon, puis dans la Rivière-Saint-Paul en particulier, mais c'est pas une recherche que j'ai approfondie à date, parce que la demande qui était, ça concernait le métissage euro-inuit à Saint-Augustin en particulier, mais moi, ma recherche, j'avais publié dans l'étude Inuit, ça concernait toute la Basse-Côte-Nord, ou la Royal North Shore pour les anglophones, parce que c'est, dans le fond, c'est une région 80% anglophone. Donc, il y a une renaissance de revendications identitaires, une naissance, on peut dire, parce que ça n'a pas vraiment existé dans le passé, cette revendication identitaire-là. Dans les années 60-65, quand on a fait notre terrain à Saint-Augustin avec Yvan Breton, les gens parlaient un peu en cachette, puis quand on voulait questionner officiellement, c'était le silence, on ne voulait pas en parler, parce que déjà, encore là, en 65, c'était mal vu d'être... le terme utilisé localement, c'est « husky ». un esquimau, quand on faisait référence à un esquimau, disons, pur, sain, là, c'était un husky, c'est le nom du chien esquimau, bien sûr. Et j'ai vu aussi une relation de l'abbé Ferland qui a fait une mission sur la Côte-Nord, mais c'est le premier à avoir fait pas tout à fait une monographie, mais un ouvrage assez complet. Il disait que le terme utilisé, je ne sais pas si ça sens en inuktitut, c'est Wabastikoui, ou Kouish, quelque chose du genre. C'est un terme pour le phoque. Donc, ça a l'air qu'il y avait ceux à l'époque, puis il y en avait comme la famille de Louis Lesquimau, ben, c'était toute une famille d'Inuit, là, tandis qu'il y en avait d'autres, c'était une femme qui avait marié un blanc, là, un non-autochtone. Donc, bon, soit c'était des chiens, ou soit c'était des phoques. Parce que la relation était établie, il dit clairement, c'est parce que comme c'est des grands amateurs de chasse aux phoques, c'est une principale activité économique, donc on les identifie aussi aux phoques. Je ne suis pas marqué phoque du Groenland, mais on sait que c'est la principale espèce exploitée, c'est le phoque du Groenland. Donc, évidemment, avec des épithètes comme celle-là, puis la réputation que tu as des gens cruels, salauds, etc., qui vivaient dans des conditions d'hygiène épouvantables selon certains témoignages. Évidemment, et puis bon, le préjugé en général qu'on pouvait avoir avec les Amérindiens, etc., on peut comprendre que les gens n'étaient pas intéressés à révéler, disons, qu'ils avaient une ascendance inuit. Mais autrement,
entre ces descendants-là et les autres qui n'avaient pas nécessairement une ascendance autochtone, la culture est la même. Là, donc, il y a eu un métissage culturel. Là. Ce qui est plus important, d'ailleurs, puis c'est ce qui est souvent qui est une méprise de la part de même de certains scientifiques, ils mettent l'accent essentiellement sur le métissage biologique. Parce que tu as un ancêtre à quelque part, là, tu es autochtone. Mais c'est bien plus, je pense, en tant qu'anthropologue, c'est bien plus la culture, la façon dont tu vis, le mode de vie. On peut utiliser un concept qui est plus géographique qu'anthropologique, mais que les anthropologues utilisent aussi pas mal. Donc, c'est plus ça, c'est plus la culture qui caractérise l'identité autochtone que le fait que tu as un ancêtre à quelque part. Là, que... Mais bon, il y en a qui se redécouvrent une identité. Je vais donner un exemple d'une femme qui vient de Saint-Augustin et qui, en lisant mon texte dans l'étude inuit, s'est découvert une identité inuit. Et maintenant, elle raconte... oui, comme l'autre jour, j'ai dit, on s'est rencontrés à cette île, je l'ai appelée une chamane. Ben, ça lui a fait un peu plaisir parce qu'elle travaille beaucoup sur le chamanisme, sur les rapports avec les esprits. Puis, bon, elle, c'est une conteuse, c'est une artiste, mais en même temps, une conteuse. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est il y a deux ans, là, c'est-tu il y a deux ans, mais elle a donné un spectacle dans le cadre du Sierra, pas dans cette année, mais l'an passé. Je parle c'est des spectacles que fait le Sierra, mais ça n'avait pas lieu à la cité universitaire. Là. À la grande salle, là. Ça avait lieu dans un café à Saint-Roch, sur la rue Saint-Joseph, je pense. Tu as cité, non? Elle utilise des masques en bois qu'elle a fabriqués elle-même à partir de... Parce que j'ai dit ici, en tout cas, je n'ai pas connaissance qu'au Labrador, que tes ancêtres qui viennent du Nord Labrador utilisaient des masques. Mais je pense que ça vient plutôt de l'ouest de l'Alaska, ou je ne sais pas, où je sais que les Inuits utilisaient des masques en bois. Donc, tu vois, il y a eu... Bon, je vais te donner juste un exemple, mais un exemple poussé pas mal loin, c'est qu'elle personnifie maintenant plus ou moins une chamane, en tout cas, une Inuit. Elle se dit Inuit, là. Elle ne dit pas métisse, elle se dit Inuit. Puis elle parle de ses ancêtres, etc. Mais elle, c'est comme plus universel. Elle va chercher un peu partout dans la littérature, au Groenland ou en Alaska, etc. Donc, elle s'est fait une identité fondue, en quelque sorte, par rapport à la culture inuite du Labrador, nord et sud de Labrador, disons, on pourrait dire à la période de contact, là, ou des contacts continus, qu'on peut dire... Bon, dans la deuxième moitié du 18e siècle. Donc, à l'époque, en 1965, très peu de gens voulaient s'identifier comme Inuit. Même, j'ai montré une photo d'un métis Inuit qui a travaillé avec Junek, qui est un anthropologue qui a fait une étude de communauté sur la Basse-Côte-Nord, surtout Blanc-Sablon. Puis une qui disait, mais c'est juste des mensonges. C'était marqué métis Inuit, c'est un Shetler. C'est une des familles, il y a beaucoup de descendants, parce que c'est une grande famille. Puis ça prend juste un ancêtre, puis après X générations, on est rendu à des dizaines de personnes, centaines de personnes. Ben, à Saint-Augustin, qui avait 700 personnes à l'époque, bon, autour de ça, peut-être 650, il y avait au moins la moitié des gens, de par la généalogie, qui avaient un ancêtre Inuit. Puis quand je suis retourné pour travailler sur le dossier en 2006, je crois. Là, tout le monde avoue à peu près, il a dit 90% Inuit. Donc, tu vois, une génération ou à peu près avec cette idée de revendication de droits des métis. Donc, maintenant, c'était plus caché. Au contraire, c'était affirmé avec ostentation. Oui, nous sommes des descendants des métis. D'Inuit. Donc, évidemment, la question identitaire peut être une manipulation. Dans la cause Corneau sur laquelle j'ai participé, pour laquelle j'ai témoigné, mais pas pour les Inuits, pas pour les Métis,
Bon, il s'appelle la communauté de, du domaine du roi et de la seigneurie de Mingan, mais c'est un faux nom, c'est pas une communauté, c'est une association. Mais étant donné que le jugement parlé reconnaît des droits à une communauté, non pas à des individus, mais ils sont accrochés au terme de communauté, selon moi, c'est une erreur. Mais c'est ça, le jugement actuellement a créé des petits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes là, qui sont en cours, qui sont, ils veulent aller en cours, et puis essayer de démontrer qu'ils forment une communauté, même si c'est les Métis de toute la Gaspésie. Et ils peuvent dire qu'on est d'une communauté. Mais là, c'est... Pour un anthropologue, pour moi, c'est tordu. Mais je sais bien qu'on peut parler de la communauté juive au Canada ou communauté juive de Montréal, communauté italienne de Montréal. Ils sont 300 000, je pense, les descendants d'Italiens. Mais c'est tout ça, une communauté. Ben, selon certaines définitions sociologiques, ça ne serait rien. Mais pour un anthropologue, ils ont toujours l'idée d'une image. Une communauté, c'est des gens qui vivent ensemble ou proches les uns des autres, qui se connaissent pas mal dans des relations interpersonnelles, ben, qui ont une histoire, bon, une culture, une sous-culture, ou des façons de faire, ou de vivre, d'être ensemble, commune et partagée. Mais quand on dit qu'une communauté métisse, c'est de l'Abitibi jusqu'à Blanc-Sablon, ben là... Ça n'avait plus rien à dire. Donc, la question d'identité, évidemment, c'est, ça peut être manipulé pour toutes sortes de fins. Là. Donc, c'est pour ça qu'on accuse souvent des gens qui réclament des identités comme ça, d'être opportunistes. comme ceux qui donc, qui veulent avoir leur carte d'Indien pour ne pas payer de taxes, par exemple. Là, pas payer d'impôts, pas payer de taxes, pensant que... C'est universel chez les Autochtones de ne pas payer d'impôts, de ne pas payer de taxes. C'est une mauvaise compréhension, c'est sûr, de l'identité autochtone. Ça se résume souvent à une carte qui donne des privilèges, non pas à une question vraiment d'appartenance là, personnelle. Là. Ça reste que finalement, bien, c'est aux personnes de se dire ou de se reconnaître à une identité quelconque. C'est l'autodéfinition aussi. Moi et ma femme, on a des ancêtres autochtones. Elle, je pense, c'est montagnais, moi, c'est huron. Mais on n'a aucun sentiment là, identitaire, là, puis on ne prendra pas de carte de métis pour revendiquer des droits, quels qu'ils soient. Mais il y en a. Puis il y a son cousin qui, lui, a sa carte de l'Alliance. Et puis, lui, bien. Il va sur le territoire, il pratique de certaines activités. Mais aujourd'hui, souvent, ça se résume un petit peu à ça pour certains. C'est la chasse à l'orignal en saison, puis avoir un chalet sur le territoire. C'est un peu la base culturelle qui est mise à l'avant là, dans la cause Cornu.